Europain matin, Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europain, la personnalité du jour. Passer six mois seul dans une cabane au sud de la Sibérie, c'est l'expérience un peu folle qu'il vient de réaliser. Aujourd'hui, Le Figaro Magazine publie son récit incroyable avec des photos superbes. On le voit prendre un bain dans un lac glacé, marcher dans les marais avec des ciels spectaculaires, dans une nature absolument sublime. L'écrivain, journaliste, explorateur Sylvain Tesson est donc votre invité, Marc-Olivier. Et on est très heureux de vous recevoir. Merci d'être là. Merci, bonjour. Vous êtes rentré, quand vous êtes rentré au mois d'août Je suis rentré il y a un, un, un mois et demi. Vous allez nous raconter ce que vous avez vécu, ça nous fait tous rêver, mais déjà quand on revient, juste comme ça, puis on développera tout à l'heure, on n'est pas complètement déconnecté avec cette civilisation complètement cinglée bah, On a beaucoup de mal à partir déjà de la cabane quand on a passé six mois là-bas, et comme, euh, comme j'y étais allé précisément pour essayer de, de, non pas de fuir parce que le mot est un peu fort, mais euh, d'oublier euh, le rythme effréné de la vie d'ici, c'est vrai que c'est difficile d'y replonger. Alors vous allez nous raconter déjà ce que vous avez vécu. Racontez-nous, l'habitation quotidienne s'occupe de rondins de 3 mètres sur 3 chauffé sur un poêle en fonte. C'est vous-même qui l'avez construit ou il existait avant Non, elle existait avant. C'était une petite cabane, comme il y en a beaucoup dans la forêt russe, qui avait été construite par des, des géologues dans les années 80. C'est au bord du lac Baïkal, qui est un lac de 700 km de long. Et euh, la cabane est enfouie dans les arbres. En enfin, c'est une cabane de conte de, de, de fées, quoi, de, de une, une cabane de, de légende. Mmh. Euh, une, 3 mètres sur 3, une toute petite cabine et les, les fenêtres étaient ouvertes sur le paysage le plus beau qui soit. Il faut imaginer une grande plaine infinie de, de glace et d'eau. Vivre en cabane, c'est l'expérience du vide. Nul regard pour vous juger, nulle compagnie pour vous inspirer. Pas de garde-fou, écrivez-vous. Euh, le fait d'être en haut comme ça, ça a un sens, un haut au milieu de nulle part. Oui et puis c'est vrai que c'est la grande difficulté, c'est de pas sombrer dans une espèce d'oisiveté euh, maladive et, et un peu alcoolique, quand mmh. vous êtes tout seul dans votre cabane, personne ne vous regarde, ouais. vous n'avez plus les garde-fous du, du, du regard des, des, des voisins. Est-ce que vous notent. avez failli euh, sombrer dans la clochardisation quoi Mais J'avais des, des voisins, enfin des voisins relatifs, tous les 20 km il y a une cabane avec un inspecteur ou un pêcheur ou un chasseur mmh. et je sais qu'en Russie il y a pas mal de gens qui finissent par euh, sombrer. Dans donc c'est espèce de paresse euh, qui est dangereuse. Et vous du... Alors moi, j'ai réussi à trouver, évidemment, un, un dérivatif à ça, et, et c'est de, de, de s'imposer une, une discipline. Alors il faut se lever le matin en, en décidant de, de, de couper sa journée en différentes tranches. Alors en écrivant, par exemple, le matin, et puis après l'après-midi, en allant explorer son territoire avec, euh, avec ses chiens. Enfin, de faut, chiens. Oui, il faut il faut discipliner sa journée parce que sinon vous finissez très vite sur un lit de mégots, de boîtes de conserve, de harengs et de bouteilles de vodka. Parce que, que je... vous, avez, vous en avez amené des bouteilles de vodka. Il, oui, faut le, il faut en, le raconter. En, en, euh, en Russie, Sylvain, on ne peut pas ne pas le faire. Ouais, euh, mais vous les avez enfouis, enfouis dans, dans la glace. Mais ça, c'est une tradition. Raconter. Quand vous arrivez dans la cabane en Russie, vous prenez vos bouteilles de vodka et vous les jetez dans la neige. Comme ça, c'est comme les champignons, quoi. Vous les retrouvez à la fonte de la neige. C'est le cadeau de, du printemps euh, à l'hiver, et euh, c'est très agréable de retrouver les bouteilles qu'on avait oubliées. Et ça permet de fêter le sacre du printemps une fois les goulots euh, euh, réapparus. Les personnes n'avaient pas fêté en fait. tout seul parce que même si euh, vous étiez quasiment seul pendant toute cette expérience, de temps en temps il y avait de la visite, ces gardes forestiers, etc. Et vous pécoliez ensemble, quoi. Oui, j'avais de temps en temps des pêcheurs ou des gardes. J'étais dans une réserve naturelle alors, qui était gardée par des inspecteurs de la forêt, et de temps en temps les Russes arrivaient. Il y a quelque chose qui est très agréable avec les Russes, c'est que comme on a toujours l'impression de vivre dans l'urgence là-bas, mmh. eh, eh bien la rencontre se fait comme euh, sans, euh, sans, sans transition. Ouais, L'équipe arrive dans votre cabane et euh, on porte quelques toasts et on se raconte la vie. Enfin, il faut quand même dire que ces 4 jours de marche du premier village, hein, vous étiez très loin, vous aviez amené euh, de la vodka, des pâtes et, de ta et du tabasco. Et j'avais apporté euh, des caisses de vivres pour six mois, des cannes à pêche pour pêcher, puis j'avais mmh. apporté une caisse de livres, parce que j'y allais beaucoup pour ça. Aussi vous avez pour, beaucoup lu Pour lire et pour écrire. J'avais près de 100 livres. La première chose que j'ai faite en arrivant, c'est de clouer une planche de pain pour poser mes livres. Et Parce que quand vous allez vivre six mois dans une cabane, soit il faut avoir une vie intérieure importante, soit une très bonne bibliothèque. Et vous avez les deux Je ne sais pas, mais j'avais une très bonne bibliothèque. Vous avez amené un téléphone j'avais de quoi envoyer des mails, et euh, mais, mais à pas votre de père, quoi. <laughs> Par exemple, <laughs> oui. Euh, enfin, bien qu'il ne soit pas très connecté, euh, cybernétiquement parlant, <laughs> mais moi non plus d'ailleurs. Mais vous parliez mais beaucoup par, par mail Non, peu. J'envoyais des mails pour dire que j'allais bien, mais euh, je, je n'avais aucun moyen de recevoir des nouvelles. Les seules nouvelles que j'ai reçues, ah. c'est quand un jour un Anglais est passé sur un chalutier qu'il avait loué pour faire le tour du lac et il m'a acheté un Herald Tribune qui avait 15 jours de retard, enfin j'étais plus assez près. Et j'ai ouvert le journal et puis j'ai lu des telles horreurs que je l'ai refermé, je me suis dit je vais encore rester quelques mois. Je justement fait une parenthèse euh, pourquoi vous étiez parti pour fuir ces horreurs mais non, je suis parti parce que je trouve qu'avant 40 ans, je, je, enfin, il me semble que c'est tout à fait normal d'avoir envie tout à coup de faire euh, un peu de silence. Euh, finalement, ça n'était que la déclinaison euh, un peu radicale de l'envie qu'on a tous de temps en temps tout de ça. partir à la campagne. Quoi. Mmh, Sauf que c'était une campagne très lointaine, mmh. la campagne de Russie, euh, au-delà de l'Oural. Mais et... vous, il ne s'était pas passé un drame dans votre vie Vous n'étiez pas en rupture de quelque chose Vous ne vouliez pas fuir une séparation J'en sais rien. Non, enfin... ça n'était pas une consolation au sens d'une cautérisation, d'une plaie ouverte. Mmh. C'était simplement l'envie tout à coup de, de vivre une une expérience de silence, de solitude et d'espace et de froid qui sont les produits de luxe du monde de demain puisque nous allons manquer de silence, nous allons manquer de place, nous allons manquer d'eau et nous allons manquer de solitude. Et vous êtes arrivé dans cette solitude recherchée de déprimer non, ça m'est arrivé d'être étreint par l'angoisse parce que c'est vrai que quand vous arrivez tout à coup et qu'il neige, par exemple, un jour il a neigé pendant dix jours sans interruption. Vous êtes dans votre cabane avec vos livres, avec, avec, je sais pas moi, avec vos, vos romans et, et votre fenêtre et le thé qui fume. Et là, tout d'un coup, vous êtes quand même saisi par un sentiment de vertige, de, de, du néant. C'était une expérience de plongée en moi-même. Donc c'est-à-dire, c'était une expérience de vide et de néant. Mais euh, tout à coup, j'ai été saisi par l'angoisse. Mais euh, elle, ce qui est agréable avec la cabane, c'est que vous êtes obligé de réagir très vite, puisqu'il faut de toute façon couper votre bois, nourrir votre chien, trop Je pêcher votre rien. poisson. Donc les contingences elles-mêmes de la vie vous obligent à ne pas trop vite euh, désespérer. Mais la solitude, elle, à un moment donné, elle ne vous a pas trop pesé? Non, elle a été fertile pour moi parce que la solitude, c'est le meilleur euh, compagnon de celui qui veut écrire. Or, moi, j'allais beaucoup pour ça. Je voulais essayer de, de faire un, un texte autour de ces thèmes magnifiques que sont le, la tentation du, mmh. du, du recours aux forêts, qui est un, d'ailleurs une solution de facilité quand vous dites que c'est tellement difficile de vivre dans la société que finalement, l'ermite, lui, se dit, mmh. moi, j'ai trouvé une solution, je pars. Et vous êtes revenu et au moment de quitter les lieux, avec une certaine émotion, vous dites, je ne savais pas que la fourrure des chiens absorbait si bien les larmes. Oui, c'est vrai, j'ai jamais pleuré. J'ai l'impression que les larmes coulent mieux sur la peau d'un être vivant que dans la fourrure d'un chien. Et je, je n'aimais pas les chiens, je citais toujours le mot de cocteau magnifique qui dit qu'il qu aimait mieux les chats parce qu'il n'y a pas de chat policier. <laughs> et et j'ai découvert ces deux petits chiens, je me suis attaché à eux et, j ai, j ai, et finalement j'ai laissé une partie de mon cœur en Sibérie. Euh, dans, dans, dans la personne de, de ces deux petits êtres. Il y a d'autres projets. Rappelez quand même en deux mots ce que vous aviez fait avant, euh, parce que le CV est impressionnant quand même. Bah, moi, j'aime l'écriture. Alors, je, je, pars, je pars faire des voyages, de longs voyages, des, des, des randonnées, des traversées de continents, à travers les, les forêts, et les steppes. Et puis ensuite, la crie, centrale, cheval, Vous aviez fait, vous reprenez l'itinéraire des évadés du Goulag en suivant le récit. Euh, évidemment, vous avez fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Quoi. Oui, j'aime la Russie. J'aime labourer les territoires euh, pendant des milliers de kilomètres. Et là, c'était une expérience aux antipodes de, de celle du voyage euh, de, de, dans les espaces, j'avais envie d une, d une, de demander à l'immobilité ce que le, le, le voyage ne m'apporte plus, c'est-à-dire la paix intérieure. C'est magnifique, merci Sylvain Tesson, le tout est dans le Figaro magazine, votre carnet merci. de bord. Merci beaucoup de nous avoir fait rêver, fantasmer, beaucoup de photos. On aurait bien envie de partir, n'est-ce pas Julie Mais il nous manquerait tellement Nicolas Canteloup. Vous ne l'écoutiez ah bah pas oui. là-bas Malheureusement lui. non, j'ai d'abord raison pour laquelle je suis revenu. Bah, on si on comprend bien. <laughs> merci beaucoup, Sylvain <si rire> belle promo pour nous. <rire> Super, <rire> merci infiniment.